Bravo tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On m'a redemandé d'animer, surtout cette année, parce que je m'appelle Louis et José, et ça, c'est la parité. Bienvenue au 40e gala de la disque. Je suis très, très, très nerveux. C'est une joke, c'est ma 13e année. Je viens de fumer un bat avec deux frères. Ouh. Ils sont vraiment drôles, finalement. La disque a 40 ans, mesdames et messieurs. C'est en 1978 que l'industrie s'est dit « Hey, on fait déjà le métier d'être applaudi du public. Il est grand temps qu'on se donne des trophées pour ça. En plus, ça en est suivi 40 ans de remise de prix, de robe hors de prix, de finis ton discours à tout prix, de gagnants confus, de talons douloureux, de complications capillaires, de controverses, de revendications, de critiques, de révélations et d'herbies moraux qui se tortillent un peu partout là-dedans. » 40 ans de « Hey, Céline va être là! » et 40 ans de « Finalement, Céline sera pas là pantoute. » 40 ans de gagnants qui ne s'y attendaient pas. Ah, je ne m'y attendais pas. « Hey, Félix-Antoine, vous êtes 5 nommés. C'est 20% de chance de gagner. Il y a des politiciens qui passent avec moins que ça, OK? » Fait qu'arrive pas en avant qu'une phase de dégât d'eau dans ton sous-sol. « Quelle situation! » Non. 40 ans de gagnants qui cherchent quelqu'un dans la salle. Merci beaucoup à Pierre. Il est où, Pierre? T'es où, Pierre? Il est où, Pierre? Il est où? Il est où? T'es où, Pierre? Pierre, t'es où? Hey, si t'as 50 pieds de toi, c'est parce qu'il vaut pas la peine, OK? Repère ton siège vide, remercie 4 pieds de chaque côté, puis dégâler! 40 ans de gagnants qui terminent leur discours et qui ne savent pas dans quelle direction partir. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. C'est... Puis il se livre au présentateur comme si c'était parent secours. C'est par là! C'est par là! Ça fait 40 ans que c'est par là! 40 ans à côté jardin, potager et légumes, par là! 40 ans de par là, t'es le 8e qui monte à soir, regarde où vont les autres, ben 6000! Par là! De gagnants qui oublient leur trophée en avant. Comment tu peux être dans l'une de ça? T'es pas un déficit d'attention, t'es une faillite. 40 ans de gagnants qui embrassent leur trophée. Oh, la bonne idée. Personne n'y a touché. Ça fait 3 jours qu'ils traînent en coulisses avec des techniciens. C'est comme si t'embrassais une poignée de porte au Rockfest rendu le dimanche soir. 40 ans de « En moi, les galères! » Hey, personne veut être ici, hein? « En moi, les galères! En moi, les galères! En moi, les galères! En moi, les galères! » Tout le monde ici a dit ça cette semaine. « En moi, les galères! » Mais tout le monde est ici quand même. Une seule explication impossible. Vous me trouvez franchement jolie. Mais, comme le gala, je vieillis, tout le monde, je vieillis. Moi, j'arrive à l'âge où je me souviens plus de personne. Je replace plus personne. Marie-Ève Janvier et Jean-François Brault, je sais même plus sur lequel des deux j'ai un kick. Les mélanges sont devenus une grosse personne sympathique. Je sais pas. Donc, heureusement, 40 ans de jeunesse, hein, de découverte. L'an dernier, je vous ai parlé de ma sœur qui vit aux États-Unis et à qui j'explique qui sont les nouveaux artistes québécois. Et là, cette année, il arrive Hubert Lenoir. J'ai reçu l'appel. C'est qui, Hubert Lenoir? Ben, Hubert Lenoir, c'est un jeune artiste original et talentueux. C'est tout? Oh non. Hubert Lenoir prend Iggy Pop, Francis Redé, Joe Beaucan, brasse très fort. Moi, ce que j'aime d'Hubert Lenoir, c'est qu'il est bon jeune, mais il va être magnifique vieux. Il va être un beau vieux. J'ai hâte de voir Hubert vieux quand on va faire « OK, là, il exagère, là. »
Ce qui est le fun, c'est que là, c'est l'an 1 du beurre noir, puis c'est déjà la parme atlante, les talons hauts, les soudes de madame. Va arriver quoi en 2034? Va se pointer avec une cape en or et une perdrix. Je vous emmerde. Ouais. Allez. 40 ans de « Oh, le party était plate. » Party était plate. Après le gala, il y a un gros party. Le lendemain, tout le monde dit « Non, party était plate. » C'était plate, ça, party. Party était plate. Non, c'était plate. Shadow party, c'était plate. Party était plate. C'est de ta faute. Ah, c'était plate. Parle à d'autres mondes, c'est niaiseux. C'est toi qui décides, c'est le fun. Si tu passes la soirée à jaser avec un gars qui dit le mot « branding » aux deux secondes, là. Tu sais? Ah, oui. On travaille sur le branding, on est fort sur le branding, on a remanié le branding, on est fort en branding, on conseille à branding, tout c'est le branding. Ouais, un autre qui drop des noms de ville, on arrive de LA, j'étais à LA, on a mixé l'album à LA. On a contacté LA, on est en studio à LA, je connais Bob à LA. Si t'es gérant d'artiste au Québec et tu dis LA plus que trois fois dans la minute, t'es un fatigant. Tu m'emmerdes pas, tu m'emmerdes. Mais si tu tombes sur un Mario Pelcha vigoureux de sa piste de danse qui improvise une tonne de rap avec sa gang de curés, là, on a une soirée, là. C'est jamais arrivé. C'est un rêve que j'ai fait. Trop souvent. Et finalement, 40 ans de chansons, 40 ans de bonnes chansons, 40 ans de mauvaises chansons. Moi, je sais pas ce qui fait une bonne ou une mauvaise chanson. Je sais pas. Mais je sais ce que je trouve bon dans vos chansons. J'aime ça quand vous poussez un petit cri pas prévu. Hey! Oh, hey! Une fois dans le mou entre deux couplets, il y a un genre hey, 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 hey. Tu sais, loin du micro, un peu là, juste avant le solo. Hey, Ricky, go, Ricky, Ricky, ah! Le plus beau cri pas prévu de l'histoire de la musique québécoise, c'est Richard Séguin, Journée d'Amérique. Tchè! Il y en a qui sont avec moi là-dessus, est-ce qu'on me suit avec ça? Tu sais, le tchè de Richard Séguin, juste avant le bridge, là. Patrice, tchè! Tu sais, le tchè! On l'écoute! Frisson d'espoir en ce moment, t'es mort en dedans, OK? Voyons, moi je me lève le matin, tchè! Je vais faire le vin par tes plates, tchè! Hey, le gars-là, 40 ans, des fois, en vieillissant, on oublie. Il est donc possible que le gars-là vous oublie ce soir. Mais on sait jamais, hein, la prochaine fois, travaillez plus fort, ma gang de tabac. Espoir, espoir, espoir! Donc ce soir, amusez-vous, profitez-en, puis je vous souhaite une tchè de belle soirée. On vient après la pause, merci vraiment.